Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc on se retrouve pour un haul scrap malin. Donc c'est pas souvent que je commence cette boutique, je crois que c'est que la deuxième fois. Et là donc du coup, je t'avais dit que j'avais fait une vidéo, j'ai profité des soldes. Bon, à la dernière minute, hein, j'ai profité. Donc du coup après j'ai craqué. À force de regarder les hauls, vous m'avez fait craquer les filles. Donc j'ai acheté cette colle. Ouais, j'avoue, même l'autre fois j'ai acheté une colle, mais... Elle était pas chère. Colle pour bricolage, sans solvant, solide, sèche, vite, polyvalente. Devient transparent en séchant. Idéal pour, par exemple, papier, bois, tissu, carton, cuir, liège et mousse. J'aimerais bien voir sur la mousse que ça donne pour mes checkers. Et 240 grammes sans solvant. C'est la marque... Comment on dit? Railleur? Railleur? Rayé? Railleur, je crois. Ah non, il n'y a pas le prix sur... je comprends pas pourquoi ils nous mettent des factures, mais ils mettent pas des prix. Du coup, j'ai pris ça. Les rouleaux de garde... Je suis en train de bugger parce que je suis en train de me dire... Bah, je sais plus, moi je commande et je sais plus pourquoi. Que je les ai déjà. Ouais, je les ai déjà les garden party. Ça devait être pas cher, donc je les ai pris. Après, j'ai pris la planche de... Ça, je l'ai pas. Je crois qu'en collection... Ouais, non, j'avais rien pris de cette collection. J'avoue, je... Ouais, non, elle ne m'avait pas tapé dans l'œil. J'aimais pas les... J'aime pas, moi, les fleurs de Noël comme ça. Ouais. Et rouge, non. Je n'avais pas trop aimé les papiers. C'est pour ça. Mais du coup, je l'ai pris en deux fois. Donc, je pense que je vais sûrement lancer un concours sur mon Instagram. Et je vais sûrement faire gagner une planche. Ouais. Après, ouais, ça va aussi avec l'autre collection. Hey Santa. Ça peut se mixer avec la collection Hey Santa de Crate Paper aussi. Bon, je pense que voilà. Je mettrai une collection, une planche à gagner. Et je mettrai peut-être des washi aussi. À voir. Donc je ferai ça, je sais pas, en septembre. Je crois que il faut que je lance mon concours et au final je ne lance pas. J'ai acheté aussi. Je n'avais jamais acheté. Les ces papiers crépons, des franges décoratives de la marque Maggie Holmes de Willow Lane. J'aime bien, j'aime beaucoup cette collection. Donc voilà, j'en ai pris deux. Ensuite, j'ai pris le bloc de Janet Field, Peaceful Heart. Je l'ai pris en tout petit. Mais je crois que j'ai même pas... Ouais, j'avais pas acheté de bloc. Donc je l'ai pris. J'en ai pris un autre aussi. Bon, c'était pas cher. Donc, ça sera sûrement pour faire un petit cadeau. Pour un de mes envois que j'ai prévu. Et j'ai pris... Et j'ai pris le grand bloc. Ouais. Bon, vous connaissez, hein. J'adore cette collection. Ouais, il y a du foil. Parce que moi, je l'ai en digital et du coup, j'ai pas de foil. C'est pour ça que j'aime quand même toujours avoir un bloc. Au moins. Ouais, il y avait du foil là aussi. Donc, je suis contente. Je me demande où est-ce que je vais ranger tout ça. Et après, j'ai pris quoi?
des feuilles. Alors là, Market Square. J'ai pris une Sweet Story. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé cette collection. Ouais. Sweet Story. Ça, c'est Garden Party. Hein. J'adore. Ça aussi, j'adore. Bon, ça, c'est Sweet Story aussi. Je kiffe ce papier. Celui-là, moins. Mais là, j'ai fait une créa. J'ai ressorti une ancienne collection, c'est une Magiums. Ça, c'est Sweet Story. Ouais, Sweet Story. Ok, ça, c'est une Maggie. Ça, c'est Garden Party. Obligé, celle-ci, j'adore. Elle est trop belle. J'adore. Et Noël. Ça, c'est Falala. Red Pepper. J'adore cette collection. Et ça, c'est quoi? C'est... Ah, c'est Thirsty One de Prima. Ma collection d'Halloween. Je crois que je l'avais pas, hein, cette feuille. Hein. Et ça, c'est Market Square, ça. Ouais. C'est épaisse. J'adore aussi ce papier. Oh, j'adore. Voilà. Et je savais pas, mais Scrap Malin, qui faisait aussi des jeux. Bon, qui vendait pas que du scrap, quoi. Bah oui, j'y vais pas souvent sur Six, comme je vous ai dit. Du coup, j'ai acheté une boîte de... Une grosse boîte de jeux pour mon fils. Et des crayons de couleur aussi pour ma fille, pour la rentrée. Donc, voilà. Et j'ai quoi aussi? Oui, j'ai un haul. J'aurais un haul à vous montrer de Craftelier. J'ai acheté la collection. Je leur avais même demandé quand est-ce qu'elle allait sortir. C'était quoi? C'est une collection de Rosie. You make... Oh, pardon, j'ai bougé la caméra. You make my day. Je crois que c'est ça. Je la voulais trop. Eh, ça y est, je l'ai vu, j'ai pris direct. Donc, voilà. Donc, je vous montrerai ça. Je vous glisserai les vidéos pendant que je serai en vacances. Comme ça, je vous manquerai pas trop. Hein. Faut pas que vous m'oubliez. Je posterai quelques petites vidéos pendant que je serai en vacances. Donc, voilà. Bon, ben, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous aussi, vous avez craqué. Je sais que Adeline... Et Gaëlle, donc mon plume et Gallo Scrap, elles ont craqué. Dites-moi en commentaire si vous aussi. Mais franchement, je suis contente quand même. Je voulais pas parce qu'en fait, j'achetais que des trucs que j'ai déjà. Mais bon, que voulez-vous? À chaque fois, je craque. À chaque fois, je dis non, non, non. Je crois qu'il n'y a que ça que j'avais pas. Ouais, ça et ça quand même. Voilà. Mais sinon, j'ai tendance à toujours acheter les mêmes choses. Donc, n'hésitez pas à me dire, à me répondre en commentaire, à me mettre un petit j'aime. Ça me fera plaisir. Et à vous abonner. À bientôt. Au revoir et bonnes vacances.